Ça sent bon. C'est quoi qu'il y a au juste là-dedans? C'est mon père. C'est ses cendres. Il est décédé la semaine dernière. Quand tu disais que c'était un homme rose, je croyais que c'était une métaphore. Hey, vous deux, arrêtez donc de faire semblant, vous regardez une montre. Oh, on est démasqués. Hey, professeur, avez-vous un stylo qui marche bien? J'aurais besoin de prendre des notes importantes. Hey, ben oui, j'en ai un, puis il crache en maudit! Bon, il faut qu'on parle. Il faut qu'on aille quelque part, faire quelque chose et rencontrer quelqu'un. Excellent. Une fois rentré dans la maison, on a accès au salon principal. Ici, on a un corridor qui mène aux escaliers pour monter ici au deuxième étage. Une fois rendu, on a accès à un deuxième corridor qui mène à une chambre à coucher juste ici. Et c'est là que moi, j'ai fait une accusation. J'accuse le colonel Moutarde avec le chandelier. Jim! Hein? T'étais en train de jouer à clou, là, par hasard? Ben ouais. Préfériez-vous jouer à vis? Le pognez pas, clou, vis. Et c'est quoi ton problème, toi? Je croyais qu'on venait ici pour une mission. S'il n'y a pas de mission, ça veut dire que c'est une mission impossible. Toi, tu vas aller loin dans la vie. Sur ton auto. J'ai un petit cadeau. C'est une belle bague, ça. On dirait que je suis mariée. Elle est faite en plutonium. Sa radioactivité tue la personne qui la porte en quelques secondes. Hey, c'est chien! Ouais. Ok, Tim, viens t'asseoir. Maintenant, parle-nous de cette mission.